Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite sortie autour de chez moi d'une cinquantaine de kilomètres avec du froid. Ce matin, il faisait moins 4, tout était blanc. Et là, ça commence à peine à se réchauffer. On doit être autour de 0 degré. Même avec ces gants-là, c'est un peu limite là avec la température qui fait. Et surtout dès qu'on prend un peu de vitesse. Au niveau veste, ça va. Au niveau chaussures aussi. Puis ça aussi. C'est toujours aux mains que j'ai froid. Assez rapidement. Le temps que ça se réchauffe peut-être. On va faire chauffer le corps. Il sera peut-être mieux après. Alors pour l'instant, je regrette absolument pas d'avoir choisi ce Canyon Ultimate SL8. Je ne comprends pas avec les prix des autres modèles. Dans mon budget, là, avec 4 300 €. Avec certes une transmission mécanique, Ultegra, mais il n'y a pas mieux avec ces roues, les 303 Firecrest, qui changent vraiment la donne, tout en restant dans un budget relativement contenu. Parce que ça, tout ça, ça reste cher quand même. Alors on est parti pour faire trois bosses. Trois belles bosses, avec 500-600 mètres de dénivelé. Ça monte beaucoup mieux qu'avant. Ça décrasse. Une pente à 7%. Je suis pas sur le dernier pignon. Je suis même sur le troisième pignon en partant du haut. Là, j'ai gagné en vraiment puissance depuis que je m'entraîne. Bon, je suis quand même à 2 minutes derrière le COM, qui est un Jalabert. Ouh. Et ce froid, dur d'avoir du souffle. Et comme je respire beaucoup par la bouche, allez père, ouh, je suis content, un beau père quand même. Je grimpe beaucoup plus facilement qu'avant, c'est clair. J'ai gagné 3 pignons là en puissance par rapport à mon premier tour de vélo avec cette Ultimate. Voilà, c'était la première bosse. La deuxième dans 10 km. Avec une moyenne de pente de 7%, la prochaine sur 1,3 km. Première belle descente.
les freins à disque, ce sont vraiment géniaux. Ça change des freins à patins. C'est beaucoup plus progressif. On arrive mieux à les doser. C'est aussi l'entraînement du VTT, ça. J'arrive enfin à dépasser les moyennes que je faisais avec le tarmac dans les montées. Il a fallu un petit peu d'entraînement. Puis à mon avis, les muscles aussi s'ajustent à la nouvelle position. Et là, j'ai regagné en puissance. Et vraiment, ça change tout. Allez, on va attaquer la deuxième bosse qui est juste devant nous. Belle colline à franchir et ça continue à monter encore derrière. C'est pas mon meilleur temps, hein. Loin de là. J'ai fait beaucoup mieux avec le tarmac la dernière fois. Bonjour. Bonjour. Ouais, je me fais doubler facilement. Alors après, il doit faire du vélo quand même depuis plus longtemps que moi, vu les mollets qu'il a. Nouvelle descente.
32 km/h. Record de vitesse. Allez, j'ai fait 50 km. Je suis content, ça fait une belle petite sortie, là, surtout avec un peu de dénivelé, 509 mètres de dénivelé pour l'instant. Belle sortie. Caillé un peu ce matin, mais là avec le soleil ça va mieux. Là, on voit que je sors moins souvent. C'est quand même plus dur physiquement. Quand je sortais deux fois par semaine, ça allait beaucoup mieux. 52,5 km, 24 km/h de moyenne, 524 mètres de dénivelé et 129 watts, 143 pulsations par minute en moyenne. J'ai quand même pas trop forcé. Allez, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt, pas de nouvelles balades. Travaillez bien, profitez du soleil, même s'il fait un peu froid. Allez, à bientôt, ciao.